Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier. Moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre. Mais merde, c'est pas croyable! Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve. Ma parole, je rêve. Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monstres de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? Deux familles pour une vulgaire histoire de cul? Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça? Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse. Enfin maman, c'est une passade, il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer. Mon petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez, maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Puis il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur.